sommes très très heureux aujourd'hui d'être au niveau de la plage de Temenfous-la-Pérouse pour participer à l'opération des éboueurs de la mer. Donc l'opération elle est organisée par l'association Récif en partenariat avec la chaîne 3 et d'autres entreprises. Et Renault aujourd'hui elle est présente pour la première fois pour participer au nettoyage de la plage avec les collaborateurs et leur famille. Alors pourquoi on est venu aujourd'hui? Parce que chez Renault on a une politique citoyenne qui consiste à participer à toutes les opérations, que ce soit de sécurité routière, que ce soit environnementale, éducation, solidarité, etc. Donc on a un plan stratégique sur l'année sur lequel on travaille et ça nous permet de contribuer activement à toutes ces opérations qui sont formidablement organisées par toutes ces associations. Donc nous sommes venus nombreux pour soutenir l'association Récif encore une fois. C'est notre première participation. Et puis aujourd'hui nous avons participé aussi donc, au-delà de la collecte des déchets sur la plage de Temenfous, à un programme riche et varié qui consistait à aller faire une balade en mer, visiter un fort. Donc on fait aussi connaître le littoral. On découvre notre formidable littoral, on est sensibilisé justement à la pollution du littoral, à tous les aspects écologiques, que ce soit nous en tant que citoyens, mais aussi en tant que représentants d'une marque qui va délivrer un message et continuer la sensibilisation par la suite. Très content de se retrouver aujourd'hui ici à Temenfous, dans ce port magnifique, ici sur la mer Méditerranée, notre mer magnifique d'Algérie. La Grande Bleue. La Grande Bleue, voilà. Donc nous, on est ici pour parler d'un point très très important, c'est la prévention. Pourquoi la prévention? Parce que tout simplement, la prévention, c'est de prévenir déjà primo des cancers de la peau et secondo de photovieillissement cutané. C'est vrai que le photovieillissement c'est un processus naturel et biologique de la peau, mais sauf que nous on parle de photovieillissement cutané précoce. À cause du soleil. À cause du soleil. Il faut savoir qu'il y a un chiffre très très important, à savoir que l'ensemble des cancers, un cancer sur trois, c'est un cancer de la peau. C'est très très important. D'accord. Et en Algérie, on a un chiffre qui est 4,3% des cas de cancer en Algérie sont des cancers cutanés. Donc c'est un chiffre qui est très très important à signaler. Alors primo, c'est quoi? Le soleil, c'est vrai que c'est l'ami de l'homme. C'est vrai qu'on doit avoir et recevoir des rayons du soleil, déjà pour le bien-être, pour la bonne humeur, pour le teint. D'accord? Pour la vitamine, et etc. Mais sauf que c'est l'excès, c'est la mauvaise protection qui provoque soit le cancer de la peau ou là, qu'on a le photovieillissement cutané précoce. Il faut savoir aussi un point très important, c'est le soleil, donc il y a des rayons. Il y a les ultraviolets, il y a les infrarouges, il y a les UVA, les UVB et les UVC. Donc les UVC qui sont captés par la couche d'ozone, sauf que les UVA et les UVB, ils passent. Donc là, vous et moi, on est en train de prendre des UVA et des UVB. Donc, ces UVA, ils vont provoquer les cancers cutanés, d'où la photoprotection. C'est très, très important. Donc, de se protéger avec des produits, donc c'est des écrans solaires, d'accord? Ma collègue, elle va vous en parler tout à l'heure. Et surtout, la prévention, d'éviter de s'exposer entre 11h et 16h et surtout de mettre une casquette, des lunettes et un t-shirt. J'insiste aussi sur un point très très important, à savoir les grains de beauté qui sont ici visibles sur cette brochure. D'accord? Vous avez ce qu'on appelle la méthode ABCDE. Donc, dès que vous avez soit la symétrie, le bord, la couleur, le diamètre ou l'évolution de ce grain de beauté qui change, là, il faut consulter en urgence un spécialiste de la peau. Donc, on est ici tous pour faire de la prévention contre les cancers cutanés et le photovieillissement précoce. Alors, on est ici avec bien sûr, avec la communauté Récif. Nous remercions beaucoup parce qu'ils travaillent quotidiennement pour la protection de la BA.
وهذا شيء جد مهم ولازم كل غاشي يفيقوا بليك لازم دوك عام نيفو بيرسونيل اون دوا اجير كل واحد في داره في طوموبيلته في بيته في المسيد في الخدمه لي بيتي جاست تاع كل يوم هما اللي نقصوا من التلوث باسكو الحاله اللي رانا عايشينها اليوم جد خطيره والناس مالوغوزمون في الجزائر ماناش نشوفوا مازال هذيك الظاهره تاع يرموا ما عندهمش هذيك لا سونسيبيليتي و لا بروتيكسيون دو لافيرونمون مالوغوزمون ماشي كاع مزيان كاين ناس كي اجيس كيما اليوم ناس مجتمعين باش يوعوا سورتو توعيه تاع دراري صغار راك تشوف كاين بزاف دراري صغار علاش دراري صغار باسكو دراري صغار هما لي زادولت تاع غدوه ان شاء الله دونك كي تفورميهم دوكا ما يشقاش ومن بعد تعاود تربيهم دونك يوليو هما ميم يوعوا ميم لوغ بارون باغ دي بتي جيست عندنا دي زاتولي باغ اكزومبل مع لاسوسيسيون ريسيف باش يتعلموا شنو هما لي ديشي وشنو هما انواع النفايات عندك البلاستيك سورتو هو البلاستيك هو اللي اثر سورتو لي ميكرو البلاستيك هو اللي اثر اكثر من الاخرين يعني كيما لي ديشي توكسيك على البحر باسكو هو عنده وقت طويل باش يسو ديغراد في لونفيرونمون ويرجع هو فات في الماء يتقسم يرجع دي ميكرو بلاستيك وهذوك لي ميكرو بلاستيك الحيوانات المائيه تاكلهم وكي تاكلهم دونك سوا تاكلهم دونك تموت ولا انت كي تاكل هذاك السمك تولي تاكل حتى ثاني بلاستيك ولا كيما ساشيت كي ترميهم الحيوانات المائيه كيما السلاحف البحريه ولا الدلفين يحسبوهم ماكله دوك يروح ياكلو دوك ياثر على الجهاز الهضمي تاعو ويموت وهذا في اول ما طاف حرام علينا اولا وياثر ثاني على صحتنا بالنسبه حنا ناكلو الحوت اللي هو ياكل بلاستيك فوالا و سي تري امبورطون دو سنسيبيليزي لي زونفون يا دي بيتي جيست حبايب الصغار يقدروا يديروهم كيما باغ اكزومبل ايفيتي تدي قرعه تاع الماء تدي لاغورد كيما بكري كنا ندو لاغورد ولا تيفيتي هذاك الفرشيطه والموس تاع البلاستيك ترفد حاجه تاع كرتون او موان ولا المواعن تاع كل يوم تعاود تغسلهم ما يشقاش هذاك البلاستيك ما يفيد فوالو كيما لي باي ما يفيدو فوالو تقدر تشرب ديريكتومون في كاس ولا في قرعه وتيفيتي لا باي تاثر بزاف على باسكو سي دي بلاستيك ايزاج يونيك سما هادو بلاستيك تستعملهم لخطره وحده برك وترميهم وهذاك لا كونتيتي اللي رانا نرمو فيها كبيره بزاف دوك لاسوسيسيون غيسيف عندها دي بلونجور ايزون بلونجي تحت الماء جبد واش نشوفو بعينينا ما يبالمش ما تقدرش تعرف شحال كاين تحت الماء كثر من اللي نشوفو في عينينا باسكو حنا ما نبلونجيوش نشوفوش واش كاين لتحت واش يقعد تحت الماء يريح اي فا با سو بيودغرادي افون 1000 ans entre 100 et 1000 ans pour le plastique donc il faut agir هذه هي الكلمه تاع اليوم il faut agir pour aujourd'hui pour demain inchallah هاد الباطو تاع لاباش اللي بان لك شغل هو يصيد الحوت بصح هو يقتل في لي بالان وعندك الاخر هاد ليزين تبان لك شابه مشبحه من هنايا بصح هي في الصح غير ترمي في لي زيغو تاعو حلم يقتلوا لي بواسون وما الاخر ريبريزونت ان دونجي لي زوتر زانيمو وهنا عندك لي ديش اللي يرميهم لوما كي ساكومول في لي روشي La marque Eau Thermale d'Avène soutient les associations locales, à l'instar de l'association Récif et de la chaîne nationale, notamment Alger Chaîne 3, justement pour sensibiliser les citoyens de l'importance de la protection de l'environnement et des enjeux que court justement aujourd'hui la mer Méditerranée, qui est fortement menacée, notamment par sa biodiversité.
nous mettons justement, nous sommes présents justement aujourd'hui pour cet événement, pour partager et surtout sensibiliser les consommateurs de l'intérêt non seulement de préserver l'environnement de la mer, mais aussi de nos plages, et aussi en utilisant des produits éco-conçus tels que Eau Thermale d'Aven, qui est une protection solaire avec des filtres, avec un minimum de filtres, et le label que vous voyez, justement, Sin Protect, Skin Protect, Ocean Protect. Nous préservons justement la peau des dangers et des méfaits des filtres, des UV, des méfaits du soleil sur la peau, et aussi de l'intérêt de préserver notre environnement. Et le mot d'ordre est surtout de sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui qui sont les adultes de demain. Organisé par plusieurs partenaires, dont Aven, Renault, Natixis et Aldi Automotive. Donc c'est le 25e événement des éboueurs de la mer organisé par Recif, couvert par la chaîne 3. C'est la 15e fois que la chaîne 3 nous couvre l'événement. Voilà, donc on a des activités avec la protection civile, avec Aven, avec les autres partenaires. Ça se passe beaucoup plus sur le nettoyage, la sensibilisation sur la protection de l'environnement, les fiches techniques sur les déchets, la durée de vie des déchets, et voilà, sensibilisation beaucoup plus, orientation beaucoup plus, on vise les enfants. Les activités, on a des visites du Fort Turc en haut, on a le nettoyage des deux plages et du port. Le port, c'est les plongeurs, on a une quinzaine de plongeurs. En scaphandre, on a 8 plongeurs en scaphandre qui vont récupérer les macro-déchets, et les apnéistes aussi en surface qui vont les aider, la présence de la protection civile aussi, et voilà, on envoie les équipes pour récupérer les déchets dans les zones rocheuses, les plages. حنا شاركنا مع انا اسوسياسيون انا جينا جبنا لي زونفون لهنايا شافوا البحر عامو خرجوا في الفلوكه داروا لي فوتو كلش تري بيان منظم بيان اورغانيزي سي نو سي بيان نقول لهم يعطيكم الصحه صافي بليزير جو هكذا فرحوا لي زونفون صافي بليزير خرجت في الفلوكه ركبنا الباتو. Et je participe pour la première fois au nettoyage de plage ici à Alger. Je suis très contente, j'ai amené mes enfants. Et j'essaie, dès que j'ai du temps et que je suis dans un nouveau pays, de m'investir dans une association pour la protection de l'environnement. Et c'est très important pour moi et pour mes enfants. Oui, la journée s'est bien passée. On a nettoyé pendant la matinée. Puis une visite de fort a été organisée, que je ne connaissais pas. Et un petit tour en bateau pour les enfants, c'était très agréable. J'espère qu'il y aura d'autres événements dans l'année. Pas qu'une fois dans l'année, mais plusieurs. Et avec plaisir, on participera. Thank you.